La transcorbière, c'est d'abord le fait de traverser une région avec des livres, c'est-à-dire avec de la culture, et en même temps d'aller vers des gens qui eux-mêmes, dans les villages, dans leur industrie, sont producteurs de culture. D'ailleurs, on voit bien que là où c'est Corbière, c'est du vin, bien sûr, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi tout un environnement culturel qui est important à mettre en valeur et à révéler au public, parce qu'avec nous, il y a aussi des gens qui viennent d'autres régions, et ça, c'est de la médiation culturelle, pour employer un mot un peu sophistiqué. De passer par masse de cours. Ah bon? Qu'on ne connaissait pas. Bien. Vous voyez, on... c'est pas bien important, vous le voyez. C'est pas important, mais c'est très beau. Oui. C'est calme. C'est un nid de verdure. Comme on aime la Belgique. Eh bien, c'est bien. Eh bien, vous allez venir boire avec nous. On a amené le vin, le verre et tout. Vous venez de Carcassonne? Ouais, là, on arrive de Carcassonne. Hein? And I'm proud to carry it. Okay, and suffer.
Olé. Partir sur des souliers trop grands, de marcher sur les eaux des ailes autour des tempes, de voir des images et de mordre les vents, de chercher dans le noir des gueules de sa trempe. Il suffit d'être seul et de tenir debout au milieu de tous ceux qui gueulent et qui vacillent. Va ton chemin tout droit, l'aventure est au bout, et tu verras que l'or n'est jamais ce qui brille. Fais le tour de la terre avec 10 francs sur toi. Va t'en planter des choux au cœur de la savane. Fabrique des légendes avec tes gueules de bois. Va t'en faire un tabac un soir à la Havane. Et puis reviens chez toi avec des rides en plus. La gueule boucanée comme sur les images. Jette ton sac à dos et viens poser ton cul. On se partagera le rouge et le fromage. Elle s'endort sur mon épaule. J'ai dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Son bras passé sous mon aisselle. Elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas du tout, du tout. Son petit nez fait de la musique, une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des tines. Moi qui avais le sommeil si doux, je n'endors plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudrait bien que ça me passe, et qu'avant elle, je me lasse de notre amour. Oui, mais voilà, sûrement déjà, je suis chocolat. Dans ses rêves, elle murmure, je t'aime. Et elle ajoute mon bel Étienne. J'suis pas très beau, j'suis Nicolas. Ça me fait tout drôle à chaque fois. Monsieur le maire est un excellent cavalier. Et...
Ben oui, je vais venir là. Mais il y a une place, on va parler chevaux, on va parler chevaux. Ah, ah, pour le reprendre un petit peu, parce qu'il s'occupe des copains. Mais je préfère encore l'autre, pas que le lion. Voilà, c'est le mieux. Non mais attends, une joie de riz qui... Vous mettez là. Voilà. Et en plus, il a, comme il a changé un peu de, d'environnement, de copain, il vient... Monsieur Baudis, avant l'écrivain, c'est en fait un vigneron que nous intronisons ce soir. Un vigneron parce que Dominique Baudis, peu d'entre vous le savent, est d'une certaine façon vigneron. C'est à Toulouse, au domaine de Candy, lequel appartient à la mairie de Toulouse. Mais Dominique Baudis, le vigneron toulousain, est aussi un néo-corbérien, puisque de temps à autre, il élit domicile dans notre région des Corbières. C'est pour cela, grand maître, que nous vous demandons d'accepter M. Dominique Baudis dans la noble confrérie des Corbières. C'est avec grand plaisir que nous l'accueillons. Et s'il réside des fois à Périac, je pense que quand il retourne vers Toulouse, il traverse souvent toutes nos Corbières. Et je vais lui demander de taster notre vin de Corbières et de clamer à l'avenir, haut et en tout lieu, ses vertus et ses qualités. Je clamerai à l'avenir, très haut et en tout lieu, les qualités de ce vin. Merci. Vous avez
le plaisir d'avoir ce soir Vincent Tousson qui va nous parler de vin, amour et fantaisie. Plaisir. Je connais trois façons de parler, d'écrire sur le vin. Il y en a d'abord une, celle-ci, qui est celle de, on va dire celle des années noires, qui était malheureusement très en vogue dans la région il y a quelques années, très à la mode. Je vais vous lire un petit texte, c'est un extrait d'un cahier du syndicat communal de Montredon, de la Confédération Générale des Vignerons. Montredon, mais un peu plus tard, Montredon 87-88. La récolte a été supérieure, les prix restent bas. Le vendredi 31 juillet, un barrage a eu lieu à Lézignan sans résultat. Le prix du vin n'a pas changé, on manifeste mais on ne gagne rien. Le vin de table se vend aux environs de 200 francs l'hecto. Le Corbière, étant passé à AOC en 1985, a réussi une percée, 380 francs pour les vins rouges et 420 francs pour les blancs. La récolte ayant été abondante partout en France, le gouvernement a institué une distillation progressive suivant les rendements. Certains ont abandonné des vignes, d'autres ont laissé la récolte sur souche pour ne plus envoyer le vin à la distillerie. Et il y a une deuxième façon de parler, d'écrire sur le vin. C'est une façon qui peut sembler tout aussi rébarbative, tout aussi peu exaltante. Alors pour schématiser, en restant un petit peu technique, ça donne quelque chose comme ça, qui se lit avec autant de volupté que les équations de chimie qu'on nous donnait à apprendre par cœur quand on était au lycée. Ça donne ça. Dosage de dérivés furaniques et pyraniques issus du bois de chêne. Il est possible de bien apprécier la quantité d'arômes boisés apportés au vin par le bois de chêne en dosant quelques composés volatiles comme les isomères de la 3-méthylo-loctano-4-lactone, la vanilline et le génol. J'ai envie de la résumer par un... Je vais encore vous embêter avec une lecture, mais on pourrait peut-être la résumer avec par un petit poème d'André-Pierre de Mondiard qui s'appelle en toute simplicité Mouton Rothschild. Ce qui ne nous éloigne pas d'ici, puisque vous êtes tous au courant que la bergerie a investi, c'est-à-dire la société à laquelle appartient Mouton Rothschild, a investi dans l'Aude, en l'occurrence à Limoux, pour y faire du vin. Donc c'est presque un petit poème autour. Ça donnait des poèmes comme ce poème « Le vin de l'amour » de Ronsard, qui était un poème pour Cassandre, qui disait « Neuf fois au nom de Cassandre, je vais prendre neuf fois du vin du flacon, afin de neuf fois le boire, en mémoire des neuf lettres de son nom. » Il y a eu Ronsard, il y a eu Dubélet, il y a eu Marot, tous ont écrit sur le vin, sur le rapport du vin et de l'amour. On a écrit sur l'âme aussi, l'âme et le vin, l'âme, l'amour, on n'est pas très très loin. Rabelais qui disait « on sait que jamais l'âme n'habite dans ses convivias ». Même Erasme, qui n'était absolument pas un rigolo, parce que j'avais encore sous les yeux il y a quelque temps un texte sur l'éducation des enfants et comment il faut que les enfants se tiennent à table. Très franchement, lui aussi, il était carrément chiant.
dans le coin, tu sais, quand tu boudes, on dit tu vas à Boutenac, ou tu y allais à Boutenac, dans l'Aude, tu sais, dans le Narbonne. Donc la Transcorbia, vous avez vu, c'est une fête organisée par monsieur Loubatier. Qu'entre nous, on appelle Dieu. Parce que comme Dieu, n'est-ce pas, il organise un maximum, et après, les éléments décident. On fait danser dans les villages, on goûte, on fait la fête, et on est heureux d'être dans les corbières. C'est la deuxième année que ça existe. Ça ruine les éditions, mais courageusement, nous recommençons. Nous avons même trouvé quatre petites Anglaises qui ont bien voulu participer à ce voyage. Elles ont tellement participé qu'en ce moment, elles dorment sous leur tente, elles ne peuvent plus bouger. Je suis là pour vous raconter une histoire de vin. Alors vous savez, on boit du vin depuis toujours, et à des moments différents. Et comme il n'y a pas que des petits-enfants, je vais vous raconter en dessinant une histoire de vin comme il y en avait au début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, en vérité, il y avait un tas de messieurs et un tas de dames qui avaient un goût très fort à travers l'Europe pour le plaisir. C'est-à-dire que des gens prenaient en vérité des chevaux, prenaient des calèches, prenaient en vérité des véhicules différents à chevaux et traversaient l'Europe. Et en traversant l'Europe, évidemment, ils traversaient votre région aussi. Casanova est passé par votre région, le chevalier d'Eon aussi. Et puis, un tas de dames à la, je dirais, à la jambe légère, de temps en temps, n'est-ce pas, peuplaient ces relais. Et évidemment, qui va bien avec la jambe légère, va bien avec le vin. Or, c'était une époque merveilleuse, car aussi les femmes avaient de l'imagination. Il n'y avait pas que la télévision, il y avait aussi du bonheur. Un jour, une dame charmante, pour ne pas la nommer, décide d'organiser un petit dîner, disons libertin. Alors elle se pose la question, comment faire plaisir à ses amis et comment se faire plaisir à elle-même. Elle était mariée, son mari était loin, la vertu était en vacances, personne ne dénonçait personne, et elle se dit, voilà un dîner simple, je vais inventer le dîner à sonnette. Très simple, le dîner à sonnette. On convoque ses invités, et au début du repas, on commence à prévenir que s'il fait chaud, on peut enlever soit un petit caraco, soit un petit manteau, soit une chemise. Évidemment, on ne s'en prive pas. Mais, au service des plats, vous avez des laquais qui arrivent. Et pour ne pas être surpris dans une tenue de plus en plus légère, on a une sonnette. Donc, la dame, évidemment, se met un petit peu à son aise, remonte un peu la robe à panier qu'elle descend, délace le corset, retire évidemment les bas de coton. Là, on en est quasiment au poisson. Deuxième service. Gling ! Hop ! On remet un petit manteau. Le service impeccable arrive. Le personnel ne voit rien. On sert le poisson. Le service s'en va. Hop ! On retombe le truc. Très rapidement, les dames se trouvent en petite tenue. Et la sonnette fonctionne, 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 fonctionne. Jusqu'au moment où la sonnette ne fonctionne plus. Pour une raison très simple, c'est que ces braves gens se sont répandus partout sur des canapés et sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'abord, c'est une fille.
de l'aviateur en Renault. Lunaire. Il a maintes fois défié la mort sur un avion problématique. C'est bon, le voilà reparti. Il y gagne une immense popularité. Aussi, à Coufoulin, c'est pas de temps en temps qu'il se repose. À Coufoulin, par exemple, lorsqu'on le voit passer, on s'arrête de tailler dans les vignes. Ah, comme vous dites.